foi et lumière, mais ils deviennent eux ma fraternité de respect et de créativité. Et ils nous apprennent à faire confiance en la vie. Ils nous émerveillent par leur prière, leur vie intérieure, leur joie de vivre. C'est un privilège pour moi, chers amis, de les envoyer au nom du diocèse d'Edmundston auprès des milliers et des milliers de pèlerins qui participeront au 3e pèlerinage international à Lourdes. Chers amis, vous serez nos représentants et nos représentantes de notre Église diocésaine. Leurs enfants sont aimés, qu'ils ont leur place dans l'Église. C'est d'ailleurs notre mission. Nous avons encore à le révéler à d'autres parents qui ne connaissent pas Foi et Lumière. Et le Seigneur nous invite cette année à retourner aux sources, à retourner à la source. Alors, c'est ça que nous allons faire ensemble. Nous sommes un groupe de 60 du diocèse. Il y en a de grands sceaux, Edmundston, Madawaska, Maine, Lake Baker, Claire-Saint-François. Alors, c'est ça, mon Seigneur, que nous allons faire. Nous allons témoigner et rendre grâce pour les 30 ans de vie de Foi et Lumière. Merci beaucoup, Guylaine. J'inviterai tous les membres de Foi et Lumière à s'approcher. Allez, je vous envoie au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston. Portez la lumière jusqu'à Lourdes. Priez pour notre Église diocésaine et soyez toujours fiers d'être des membres de Foi et Lumière. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. We'd like to welcome Faith and Light aboard this flight 602 to Lourdes.
Our flying time will be 6 hours and 40 minutes. En face se dessine la chaîne des Pyrénées et de l'autre côté se trouve l'Espagne. Il a neigé un peu là ces derniers jours. Et voilà, nous sommes à Lourdes. Nous allons passer par le centre-ville au lieu de prendre la périphérie extérieure afin de vous montrer un peu le centre. Il faut savoir que le sens de la circulation change tous les 15 jours à Lourdes. Une fois, on tourne dans la ville basse de Lourdes par la rue de la Grotte. Ah oui. Il faut savoir que Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière de France avec plus de 450 hôtels. La première, c'est Paris. Mais en superficie, on pourrait dire presque Lourdes la première. Parce que Paris est beaucoup, beaucoup plus grand que Lourdes. Les montagnes en face, là, c'est super beau. Hein? La Gare, c'est une rivière. Oui, c'est tous les affluents des Pyrénées qui passent ici. On appelle ça le Gave de Pau, vous voyez. Voilà. Et nous allons dans la petite rue en face. Et il faut savoir que l'hôtel Agena se trouve ici, à votre gauche. Voilà. Conserve le style ancien, mais qui sont quand même assez récentes. Celle-ci, par exemple, elle conserve le style du pays avec les pierres apparentes, mais c'est une construction qui est récente. Bonjour aux montagnes, je suis seule.
sunshine, love you. Please don't take my sunshine away. Ça, c'est rain là, ouais. C'est bon. C'est comme ça. Oh, j'ai les boutiques. Et les skis en masse. Les skis, c'est pas les skis. Les skis. À midi et demi, on pourra venir ici se réchauffer et on mangera notre lunch. Oui, moi, je n'ai pas rien trouvé. D'accord, ça va venir. Achetez des nougats. Un beau soleil. Vous avez fait bonne route? Oui, c'était oui. Beau. Salut. C'était beau. Ça n'en va pas, les gars, chérie. J'achète pas de gars. Pas aller? Loin, loin, non. Oh, ça, c'est de qualité, ça. Deux coucougnettes. Mmh. Eh ben, dis donc, il va avoir des bonnes coucougnettes. On est ici, après ça, pour la fin. Viens ici, mon. Un mandarine, oh. Ah, oh, toi, t'as pris des... Trop bien au soleil. Il dit, moi, je t'ai un bon soleil. Je vois un soleil toujours.
Lourdes, Pâques 2001. Ils sont 16 000, personnes handicapées, parents, amis, rassemblés pour prier et se rencontrer dans la joie et la fête. Était un pèlerinage de consolation. Le deuxième pèlerinage était un pèlerinage où on reconnaissait les personnes et leurs valeurs. Aujourd'hui, c'est le pèlerinage de la résurrection et de la révélation. Parce que nous avons découvert notre mission. This pilgrimage is a pilgrimage of revelation and resurrection. That we are called today not just into a world of consolation and recognition, but to discover and then it be revealed that people with disabilities are important people, that they have something to contribute to the world. That they can change us, that they can make us more human, more loving, more compassionate. And in a world where the values are the values of success and power. And when I say this is a pilgrimage of revelation and resurrection, we are called to go even deeper on that road. To discover how a friendship with people who are fragile, vulnerable and weak. That Jesus didn't come to give us a comfortable religion.
Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Nous sommes des êtres en marche. Nous commençons dans la faiblesse, nous mourons dans la faiblesse, nous ne demandons pas de vivre, nous ne demandons pas de mourir, et entre-temps, il y a ce chemin qui est le chemin de chacun de nous. Le temps de Pâques, c'est le temps de la souffrance, de l'attente et de la résurrection. Et pour vivre la souffrance, il faut quelque part un lieu où c'est compréhensible, où au moins il y a une vision. Et la croix de Jésus est la croix de chacun. C'est le chemin de croix des parents, c'est le chemin de croix des personnes avec un handicap. Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé. Moi qui n'ai pas appris le langage des mots, ils n'ont jamais franchi le seuil de mon cerveau. Ils me sont restés pris dans les cris du berceau. Parfois c'est trop. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, toi. Personnifier Jésus. Je vous ai dit hier que c'était un chemin de croix, que c'est nous. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris quand je joue ma chanson. Votre folie soit donnée le pardon. Vous n'aurez pas compris. Vous fermerez vos portes. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Au soleil de l'amour. Et vous vous en irez.
le monde, par d'autres horizons qui reculent toujours. Et j'ai donné ma vie pour toi. Je suis allée au bout de moi. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Venez à moi, vous qui ployez, sous le fardeau, et moi je vous soulage. Permettre que son visage soit imprégné dans le linge de Véronique qui essuyait son visage, c'est parce qu'il a voulu lui donner un signe, il a voulu lui dire « je t'aime ». Puis aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous dit à chacun d'entre nous, « je t'aime ». Je vous invite à partager, vous autres, comment est-ce que vous voyez ça? C'est quoi tout le monde, un peu profond de chacun? Console les femmes de Jérusalem. Cette station-ci me rappelle ce qui se passe souvent dans la vraie vie. Lorsque quelqu'un, comme exemple, avoir un cancer, c'est lui qui encourage le reste de la famille qui a de la peine de le voir partir. Ça veut dire, mon ami, aujourd'hui, mon ami, je fais route avec toi. Jésus tombe pour la troisième fois. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Thank you.
vin sur la croix. Que le réconfort vienne à ceux qui sont affligés ou mourants. This is the cross on which hung the Savior of the world.
J'étais accueillie par le sourire de Sandrine. Nous avons parcouru un long chemin, et ça fait 11 ans qu'on se connaît. Et il y a eu des fois des orages, le seul être qui m'ont dégradé. Qui vient de rayer, c'est tout. Pour rompre l'isolement des familles, et faire reconnaître les personnes avec un handicap mental, Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu osent organiser en 1971 un premier pèlerinage. Il rassemblera 12 000 personnes. Et nous avons préparé pendant 3 ans, avec beaucoup de difficultés de toutes sortes, beaucoup de gens qui disaient c'est fou, et c'est vrai que c'était réellement fou. Vous allez, les parents vont aller à Lourdes pour demander un miracle de l'intelligence de leur enfant, ils vont être très frustrés et on est parti à Lourdes en demandant qu'une seule sorte de miracle, le miracle de nos cœurs, que nous sachions reconnaître que la personne handicapée est précieuse, que chacune d'elles est unique et que pour être heureuse, elle ne demande qu'une chose, c'est de se sentir utile, aimée, de découvrir qu'elle est précieuse. De cette expérience est née la volonté de continuer et de se réunir régulièrement en communauté. Aujourd'hui, Foi et Lumière en compte plus de 1400, répartis dans 75 pays. L'essentiel de Foi et Lumière, c'était de susciter des petites communautés où se retrouvent des personnes handicapées mentales, leurs parents, des amis, à peu près un tiers, et qui tissent des liens d'amitié. S'appelle Res Mavic. Dans nous, nous autres, il y a des comtés. En plus, on s'est séparés en comtés. Fait qu'on a un comté qui s'appelle Restigouche, Madawaska, Victoria. Fait que quand Foi et Lumière a été fondée, notre groupe en 77, il fallait choisir un nom, puis on ne savait pas quoi choisir. Fait qu'on a dit, bon, on va s'appeler Res Mavic. D'accord. Mais notre évêque, qui était le fondateur de Foi et Lumière, on dit, mais ça, on va mettre ça un petit peu plus chrétien. Et on va dire, c'est Jésus reste ma victoire. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Sur ces 15, il y en a un tiers, un peu plus d'un tiers, qui était déjà là en 91. Ils vivent à Lourdes déjà en 91. Et là, on est très heureux de revenir en 2001 pour fêter les 30 ans de Foi et Lumière. Foi et lumière, voir au bonheur, Jésus mon frère, de grâce.
novembre, le 8 novembre, la rencontre mensuelle. L'équipe de coordination se rencontre. Nous sommes 6 sur l'équipe de coordination. Et selon le carnet de route, on suit plus ou moins, On s'adapte sur les thèmes du mois. On prépare la rencontre, on a toujours un temps d'accueil à la rencontre. On s'accueille durant, je sais pas, une demi-heure, on Ça, c'est un dimanche ou un samedi? C'est pas mal, toujours un dimanche. Tu partages en équipe sur le thème ou puisqu'on a des petits bricolages, quoi que ce soit à faire. Ensuite, on fait toujours une petite partie de fête, on chante ensemble, on fait un petit peu de danse, on joue à un jeu. Le temps de la rencontre de la communauté, ce soit un moment où chaque personne puisse dire quelque chose de sa vie. Ce sera peut-être le seul moment dans le mois où elle pourra dire un peu de sa souffrance, de sa joie, dans un petit groupe de 6-7 qui se connaissent un petit peu mieux. Mais l'essentiel, c'est vraiment pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on s'apporte. Une fois par mois, non? Oui, une fois par mois. Comme nous. Dans le bien levé. Oui. Et on a une personne qui s'occupe d'envoyer une carte bleue. L'anniversaire de naissance à chacun des membres. C'est beaucoup, beaucoup apprécié. Il est formidable d'aimer. Il est formidable de tout donner pour aider. Nous avons demandé à pas mal de gens de nous faire un logo où on avait expliqué le pèlerinage. Il a fait un bateau, il a mis des petits bonshommes dans le bateau, il en a de fait 12, Jésus doit dormir quelque part, mais il y a les 12, et puis il y a le soleil et les nuages. Alors il a été sûrement très inspiré. Et l'idée, on est en bateau, on est sur la marche, on va vers. Et quelquefois, la mer est déchaînée, quelquefois c'est pas. Quelquefois il faut ramer, quelquefois il y a le vent derrière les voiles, etc. Alors il a capté tout ça, on était tellement touchés qu'on l'a gardé. Les parents des personnes avec un handicap se demandent pourquoi eux, etc. Ils ne se sentent pas capables d'élever leur enfant. Ils ont des moments de colère. Les personnes avec un handicap sentent qu'ils sont une déception pour leurs parents. Il y a un monde de culpabilité. Or, l'eau lave, nous lave de la culpabilité. De découvrir fondamentalement ce que c'est le pardon. Le pardon n'est pas « tu as fait quelque chose de mal et tu es pardonné ». Non, le pardon, c'est « tu es aimé comme tu es ». Et je veux vivre la communion avec toi. Et le mystère de la réconciliation, c'est la redécouverte de la tendresse de Dieu. Tu recevras la vie de ton
êtes avec moi, vous êtes accompagné Carmel. C'est Daniel. Personne ne veut plus des soubirous. Leur dernière chance, c'est le cachot. Rouge, infect et sombre. Tard, quelques chaises, une maille pour le linge, deux lits, un à droite en entrant, l'autre du même côté, tout près de la cheminée. Aussi avec sa sœur et une amie chercher du bois à Massabielle. Ce jour-là, eut lieu la première apparition. Alors, pourquoi Dieu choisit-il cette petite illettrée, fille du meunier, marginalisée de Lourdes? Que veut-il nous manifester en confiant par Marie son nom et son mystère à Bernadette, pauvre exclue? Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir la confusion des sages.
Baptise-moi de souffle et de feu. Je parlerai la langue de Dieu. Esprit, viens, Esprit Saint. Baptise-moi de souffle et de feu. Je parlerai la langue de Dieu. Mon chercher parmi les morts.
Parce que la célébration veut dire qu'on est des amis ensemble, on rit ensemble, on chante ensemble, on danse ensemble. Et c'est ça finalement ce que le monde veut. C'est la fête. Si tu veux travailler pour la paix, il ne s'agit pas de la paix dans les grandes idées, mais viens avec et vis avec les opprimés. Tu vas découvrir que tu es aimé, tu vas découvrir un sens à ta vie, tu vas découvrir la communauté. Deviens-toi aussi le temple
un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te fait plaisir.